Salut! Alors, un truc un peu spécial aujourd'hui. Comment dire? Comme vous le savez, j'ai l'habitude d'ouvrir des boîtes. J'ai l'habitude de dépenser de l'argent sans savoir vraiment ce qui va se passer en ouvrant cette boîte. Je crois que j'ai franchi un cap dans la connerie. Je viens de commander un colis mystère pour 300 euros. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va l'ouvrir sans savoir ce qu'il y a dedans. Eh, ce serait pas l'arnaque parfaite? Moi je plonge dedans comme ça, je saute. Alors pour vous expliquer, j'ai commandé ce colis, ça se fait un petit peu sur internet, un particulier, à quelqu'un comme vous et moi. Donc comme c'est pas une entreprise, on n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dedans. Ça peut être totalement horrible ou totalement bien. Imagine, le gars, il a un petit peu d'argent, il a une situation convenable, il veut se débarrasser de 2-3 trucs qui, toi, peuvent t'intéresser et qui peuvent valoir de l'argent, mais lui, il s'en fout, hop, il se fait kiffer. Un petit colis mystère, il envoie. Ça vient d'Angleterre. Nous appellerons celui qui a fait le colis James. Voilà, ce sera plus simple. Normalement, c'est une édition spéciale un peu électronique. Mais peut-être ça va être une arnaque de ouf, ou peut-être il va se passer des choses de ouf, parce que je sais que certains en ont ouvert et ils ont eu des trucs de malade, des PC portables, des trucs comme ça. S'il te plaît, ne fais pas comme CSGO quand j'ouvre des boîtes à 500 euros et que j'ai des trucs à 20 centimes. Alors si c'est une boîte remplie de clés USB, je trouve. Je vais te faire souffrir. Et là, il y a un PC en fait derrière et je viens de le niquer. C'est parti. Coucou. Alors je vais juste regarder s'il n'y a pas une araignée dedans ou un serpent. Oula. Oh, j'ai vu un truc, je suis pas sûr mais je crois que ça va pas me plaire. Alors on va tout simplement piocher dedans hein. En tout cas si ce concept vous plaît, dites-le moi parce que j'ai jamais fait, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais laissez du pouce bleu si jamais vous voulez que je prenne un colis à 1 million de dollars. Attention, premier objet. Mais waouh, trop cool! C'est un vieux clavier. Tout pourri. Comment dire? Moi, je suis gamer. Donc, ça, c'est pas trop gamer, quoi. Et il y a la petite souris sans fil. Après, ça peut servir sur mon PC portable. On s'en file comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mauvaise pioche. Et j'imagine, c'est le truc le plus stylé de la boîte. 200$ le clavier. Attention! On a un beau emballage. Et... C'est quoi ça? Speaker? C'est une enceinte? Bluetooth? On dirait une ampoule. C'est pour faire de la lumière. C'est une enceinte LED. Ouah, une télécommande, eh. Ah mais c'est une ampoule. Mais ça, c'est une ampoule qui fait de la musique. Mais James. James, qu'est-ce qui t'arrive, James? Quand tu te lèves le matin? Putain, c'est vraiment une ampoule, genre... Mon petit James. Eh, moi, je suis youtubeur mécano. En tout cas, il fait des beaux emballages. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une ampoule qui fait de la musique. C'est génial. Ça valait trop le coup. Est-ce que ça marche? Ça fait un flash? Oh, c'est une ampoule qui parle! Oh, c'est rouge! Elle a parlé, la vie de ma mère, c'est une ampoule, elle est maudite! Elle est possédée! Eh, hey, James, elle est comme ça ton ampoule! J'ai une télécommande, faut que je ferme les volets! Waouh! Orange, rouge, bleu, vert. Ça va être le clou du spectacle, je vais mettre du son. Alors, Bluetooth, installe the bull cap, speaker bulb. Ah, il est là, speaker bulb. Connected. What did he? Eh, merci, James! Ouah, c'est au rythme et tout. Hey, alors. S'il fallait que je dépense 200 boules pour jouer avec une lampe, hop, ça dégage. Objet suivant. Un petit truc. Hey, j'aime bien les emballages, hein, James. Hein? Bah là, ça va partir à la poubelle. Hey, il m'a mis des vieux écouteurs et tout pourri. Ça, c'est le truc parfait pour te niquer les oreilles. Objet suivant. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Une manette? Oh, le truc de beau. Ah, ça, il l'a vraiment sorti de son grenier. L'enceinte. C'est encore une enceinte, sa mère. C'est pour des iPods. Il y a encore des gens qui ont des iPods en 2018. Ah bon. Eh, ça dégage. Objet suivant. Ah putain, si j'ai qu'une ampoule à 300 euros. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Ah, le truc de merde. Le délire. Un téléphone fixe. Ah bah non, bah ça tombe bien, j'en avais plus. Nickel. Ah bah merci. C'est un petit peu comme à Noël quand t'as un cadeau vraiment pourri mais tu peux pas vraiment le dire. D'ailleurs. Ah cool, un téléphone fixe. Ah bah je vais pouvoir appeler mémé plus souvent. En plus il fait sans fil. Ah ouais non, c'est cool, c'est top hein. Ah t'as bien choisi, James, ah merci beaucoup. Waouh. Merci James, grâce à toi je vais pouvoir appeler des gens à travers le monde, dont mes abonnés. Et en plus c'est vraiment le truc pour personnes âgées hein. Regarde la taille des boutons, c'est pour être sûr de pas se tromper. Trop cool. Eh, ça dégage. Bon, James, on va s'expliquer un petit peu. Moi, j'ai vu des mecs qui ouvraient des colis de ouf. Là, j'ai quand même posé 300 euros. Tu vas pas me faire une gaben. Tu vas me sortir des trucs un minimum intéressant. J'en ai marre d'ouvrir des boîtes pour rien, moi. Je te laisse une chance. Oh, c'est un mot de James. Alors, merci d'avoir acheté cette boîte mystère. Je peux maintenant nourrir ma famille pour 2 mois. Tu es le meilleur. Devenons amis.
Il a fait des dessins trop mignons. Mais James, tu as 10 ans. Là, il a dessiné sa main pour faire un high five. Hein. Tac. Et ici, il a mis un robot. Il a dit, tu aimes les robots? PS, tu es génial. Il a l'air hyper content, en tout cas. Bon, alors, je sais pas si c'est une blague ou si c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin d'argent. C'est aussi possible. Oh, James, tu m'as mis un petit PC portable, quand même. C'est quoi, ça, mec? Mon Dieu. Encore un truc à LED. Bon, visiblement, il était déjà ouvert. Et il a déjà bien vécu. C'est un Stormtrooper qui fait de la lumière. Ça a pas l'air de marcher, James. Je vais y voir. Je sais pas ce que c'est. Mais une enceinte. Oups. Une enceinte Bluetooth, encore. En gros, j'ai dépensé 300 euros d'enceinte Bluetooth. J'ai une ampoule qui fait de la musique. J'ai une enceinte pour iPod, une enceinte pour téléphone. Et tout. Oh, c'est joli. Sympa. Hop, ça fera l'affaire dans la salle de bain. Et hop, on va laisser peser. Oh, une chouette. Waouh. Bah, le démon. Bah, c'est une chouette qui fait de la lumière. Bon, petite décoration sympa. Ah, je vais en avoir des cadeaux à offrir là. Je vais plus rien acheter pour les 3 prochains Noël. Je vais refourguer toutes les enceintes. Je serai tranquille. Et le dernier objet. Mais James, c'est quoi ça? Un chrono ou une horloge pour la cuisine? Yes, grâce à ça, je vais pouvoir cuisiner des quiches à foison. En tout cas, ça se voit qu'il date ce truc. C'est tout? Bon, et bien c'est terminé. Bon, on n'a pas eu grand chose. Hein. De toute façon, c'était pas le but. Le but c'était aussi d'échanger avec un étranger. Donc voilà, j'ai acheté une boîte à 300$ à quelqu'un que je connaissais pas. Il m'a laissé un petit mot que je trouve très sympa. Vu comment il écrit avec les mains, les petits robots et tout, ça m'a l'air d'être soit un jeune, quelqu'un d'assez jeune ou. Je sais pas, en tout cas, ça se voit qu'il y a des trucs récupérés, des trucs qu'il avait certainement depuis longtemps et tout. Donc c'était aussi un moyen, voilà, d'échanger avec quelqu'un d'inconnu. Donc je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Je sais pas si ça tombe, c'est quelqu'un qui a plein d'argent. Et en tout cas, j'espère que ça lui a fait plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment, j'espère que ça a fait une bonne vidéo. Mais voilà, je vais pas en acheter tous les jours à des colis comme ça, je vous le dis. Ça dégage. Si ça vous a plu, vous laissez un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Le but c'était pas de gagner de l'argent, mais faire quelque chose de rigolo, de différent. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.